Bonjour à tous, Don Quichotte, parce que c'est moi Don Quichotte, hein, vous salue, chapeau bas, en sirotant une petite bière. Voilà, j'espère que vous allez bien pour cette conclusion de tous ces épisodes. Alors je me présente, je suis dans une auberge en train de manger une potée aux pois chiches et aux herbes, voilà, quelques harengs pêchés. On les a donnés à l'aubergiste et ils sont vraiment fameux. Hein. On les a pêchés dans une rivière avec Sancho, Sancho que je vous présente. Hein. Voilà. Alors moi, effectivement, je me présente comme Don Quichotte, je suis Lionel, mais on m'a maintes fois dit, pourquoi tu ne joues pas Don Quichotte? Hein. Toi qui es svelte, vaillant, tu vas braver tous les moulins avant. Voilà. Mais ça n'est pas encore arrivé, et sous l'œil de Christine, qui a l'œil, hein, cette fille, elle m'a proposé quelques épisodes, comme à vous tous, de Don Quichotte. Alors voilà, je suis très content de participer à cette aventure, tout en mangeant ma potée. Voilà. Alors j'espère que vous allez sortir du confinement. J'ai Rossinante, qui figurez-vous, s'est confinée elle-même. Elle est tombée malade. Alors on est là pour 3 jours dans cette auberge, qui est pas mal d'ailleurs. Je peux vous montrer un petit peu. Regardez, le paysage, il est pas mal. Attendez. Hop, regardez. Ah, on surplombe nos voyages là. Moi, vous me voyez un peu dans le noir, mais c'est pas grave. Voilà, un petit peu. On surplombe le Pré Saint-Gervais, où je viens d'emménager il y a à peine 2 mois. Alors, il n'y a pas de grange pour mettre Rossinante, mais bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter tout en mangeant? Ben, ici, dans la région parisienne, il fait très beau. On en a marre d'être confiné, mais bon. On fait des choses en visioconférence, en, voilà. Et j'espère que vous vous êtes amusé à travers ces lectures, comme moi d'ailleurs. Hein. J'ai compris des choses. Voilà. Alors, est-ce que les aventures vont continuer de Don Quichotte? Ça, on ne sait pas. Mais on l'espère. De toute façon, c'est toujours l'imprévu. Avec Don Quichotte, hein, on ne peut pas prévoir. Chers amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous salue chapeau bas. Enchanté de vous connaître, tous ces lecteurs. À très bientôt.